Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chopo, OL Fan TV de nouveau. Je suis sous le vent, j'espère que vous vous entendez bien, que ça ne grésille pas trop. Un nouvel épisode, encore une fois, double vidéo aujourd'hui pour vous parler de OL Daily Mercato. Un nouvel épisode, nouvelle rumeur. Vous m'en avez fait part dans les commentaires, j'ai vérifié et effectivement l'Olympique Lyonnais serait intéressé par le défenseur central bordelais Jules Koundé, âgé de 20 ans. La cote de Jules Koundé, c'est 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour un joueur de 20 ans qui a, on va dire, une saison à peu près complète, puisqu'il va la jouer complètement cette saison. C'est sa première vraie saison au haut niveau en tant que titulaire en charnière centrale bordelaise. Un championnat dans le ventre mou, mais dans une équipe où il se démarque. Et aujourd'hui, si on s'intéresse de près à un défenseur central, c'est pour peut-être, je dis bien, remplacer Marcelo, qui a eu des performances en dents de scie, qui a eu beaucoup de trous d'air cette saison avec nous. Je vais pas vous le faire remarquer à nouveau. Mais est-ce que Marcelo est moins fort que Jules Koundé? Est-ce que surtout Jules Koundé est plus fort aujourd'hui à l'instant T que Marcelo? C'est toute la question. Alors certes, il y a 11 ans de différence entre les deux, que Jules Koundé a forcément une marge de progression importante, mais aujourd'hui est-il plus fort que Marcelo? Alors moi j'ai voulu savoir, et moi je me base sur des faits statistiques, et j'ai été sur le site whoscored.com pour comparer les deux joueurs au niveau des statistiques avancées, que ce soit défensives, offensives et même au niveau des passes. Alors je commence au niveau défensif. Alors pour commencer, ils ont à peu près joué le même nombre de matchs, 31 matchs pour Jules Koundé, 27 pour Marcelo. Au niveau défensif, donc je disais au niveau des tacles, Marcelo est à 1,4 tacles réussis en moyenne par match. Jules Koundé, 1,2, vous voyez, ils sont assez proches là-dessus. Deux interceptions en moyenne par match pour Marcelo et 1,4 seulement pour Jules Koundé. C'est meilleur du côté de Marcelo. Là où Jules Koundé est meilleur défensivement, c'est au niveau des dégagements. 5 dégagements en moyenne par match effectués par Jules Koundé. Derrière, c'est pas très très loin aussi pour Marcelo. 4 dégagements en moyenne par match pour lui. Vous voyez, on est très très précis, mais ça veut dire aussi qu'on a deux équipes qui prennent pas mal le bouillon défensivement. Au niveau des tirs bloqués, et ben c'est Marcelo qui est à peu près à un tir bloqué par match, qui est plutôt pas mal du tout. Au niveau, les gones, au niveau offensif, bon, ça compte toujours un petit peu aussi. Aucun des deux n'a marqué de but cette saison. Et oui, aucun des deux n'a marqué de but cette saison. Ils sont tous les deux à une passe décisive, c'est quand même à remarquer. Au niveau des tirs par match, c'est Marcelo qui tire plus que Jules Koundé. 0,8 tirs par match contre 0,4 côté Jules Koundé. Au niveau des passes clés, je le rappelle, c'est une passe précédant à un tir. Eh bien, ils sont au même nombre, 0,3 en moyenne passes clés par match. Et au niveau des dribbles effectués, à peu près la même chose des deux côtés, 0,2 pour Marcelo et 0,3 pour Jules Koundé. Et au niveau des passes, c'est là que je trouve que le creux s'élargit un peu entre les deux. Eh bien, au niveau des passes moyennes, enfin les passes effectuées en moyenne, c'est Marcelo qui est largement devant Jules Koundé. 71 passes en moyenne par match pour Marcelo contre 50 pour Jules Koundé. Au niveau des passes réussies, ça c'est un point fort de Marcelo. Alors bien sûr, c'est peut-être des passes latérales, des passes vers l'arrière, ça je ne sais pas, mais 87% de passes réussies en moyenne pour Marcelo et 79% de passes réussies pour Jules Koundé, qui est quand même un peu derrière. Et au niveau des balles longues, alors Marcelo, lui, il aime bien ça, il fait 5,6 balles longues en moyenne par match et Jules Koundé 2,9 en moyenne par match. Pour tout vous dire, je pense que quand même Marcelo est devant au niveau des comparaisons statistiques. Jules Koundé ne montre pas quelque chose d'incroyable au niveau des stats, mais c'est surtout, je pense, sur la marge de progression qu'il est intéressant. Au niveau de l'expérience, Marcelo est bien évidemment au-dessus, mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit mettre 25 millions d'euros dans un joueur de 20 ans, sachant qu'on a derrière un Oumar Soleil qui attend en défense centrale? Alors,
vraiment, est-ce que on devrait les mettre, sachant qu'on est concurrencé par, je crois, la Juventus, la S-Roma et foison de club, bien évidemment. Au niveau du gabarit, j'en ai pas parlé, c'est 1m78, Jules Koundé, contre 1m92 pour Marcelo. Ça a aussi son avantage ou désavantage. On parle souvent de la taille d'Anthony Lopez pour dire que ce n'est pas un grand gardien et qu'il ne sera jamais dans cette catégorie-là. Moi, je trouve qu'1m78, c'est un peu petit pour un défenseur central, je le maintiens. Samuel Umtiti, vous me direz, fait la même taille, mais ça, je pense, un désavantage. Hein. Voilà, un défenseur central a besoin de hauteur. Bien évidemment, il faut de l'agilité technique, ce que n'a pas Marcelo. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Moi, je ne mettrai pas, en tout cas, 25 millions d'euros sur Jules Koundé. Je pense qu'on a des jeunes qui sont dans notre centre de formation, qui est, je le rappelle, l'un des meilleurs d'Europe, qui sont capables largement de faire ce que fait aujourd'hui Jules Koundé. 25 millions, c'est beaucoup trop. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi l'OL s'intéresse à un joueur qui, certes, qui est en devenir, mais qui n'a pas encore une expérience qu'il nous faut. Il nous faut absolument une expérience. Une expérience du très haut niveau. Voilà ce que j'en pense, les gars. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la rumeur Jules Koundé. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 25 à 30 millions d'euros sur lui? Dites-moi tout en commentaire. Merci à vous, une nouvelle fois, de me suivre de plus en plus nombreux. Merci de vos abonnements, de vos likes. Vraiment, vous êtes au top, les gars. Ce soir, gros match de Ligue des Champions. Le Barça qui nous a éliminé contre Manchester United, ça va valoir le détour parce que j'étais un peu déçu hier de ce que j'ai vu, hein, côté Manchester City Tottenham. Voilà, c'était l'affiche d'hier, mais bon, ça n'a pas été extraordinaire. Bref, on espère ce soir que ça sera un tout autre match. Voilà les gones, je vous souhaite bien évidemment une très bonne soirée. Profitez du soleil là où vous êtes, profitez de ce beau temps. Voilà les gones, allez, très vite, ciao, ciao, ciao.